Et bien salut tout le monde, c'est HippoGamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, aujourd'hui on va apprendre à faire un overboard dans Minecraft Pocket Edition 1.2.7. Donc c'est parti. N'oubliez pas les amis de lâcher votre plus gros pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ok les amis, pour ce tutoriel, il vous faudra tout simplement des command blocks, donc il nous en faudra 3, des bots en fer et 3 comparateurs, ça va être très très simple. Donc on va commencer par mettre 3 blocs de commandes comme ceci, dans n'importe quel sens, voilà, avec d'affilée, hop, des comparateurs, voilà. Ensuite, vous allez entrer les commandes que je vous mettrai en description. Donc dans le premier command block, vous allez rentrer, vous allez copier la commande que je vous ai mis en description ou vous tout simplement vous la recopiez en écrivant. Vous mettez en ici en répétition, donc en repeat, et dans redstone, vous mettez toujours actif comme ceci et vous quittez. Alors ça va être très simple, regardez, quand je vais prendre, vous voyez qu'ici il est marqué enchant featherfeeling @sp, donc le joueur le plus proche, comme je fais comme ceci, regardez, les bots deviennent tout simplement enchantés et le command block s'allume pour pouvoir activer l'autre command block. Donc ça va être simple, regardez, quand je les enlève, quand je réactive, voilà, ça fonctionne. Alors pour cacher les commandes que vous voyez dans le chat, bah, il suffit d'aller dans le chat et ici dans mute, vous activez on comme ceci. Du coup on va attendre que les commandes disparaissent. Voilà, et ensuite ben vous pouvez hop réactiver tout ça et vous avez plus les commandes dans le chat. Pour le deuxième command block, ben, ça va être très simple, vous allez rentrer dedans, vous allez encore recopier la commande que je vous ai mis dans la description, donc c'est celle-ci. Ensuite vous devez juste mettre en repeat également comme ceci, et ici vous allez mettre need redstone et c'est bon, vous quittez. Et pour le dernier command block, c'est très simple, vous rentrez également la commande avec que je vous ai mis encore une fois dans la description, vous mettez en repeat et ici always active et hop on quitte. Et normalement quand vous allez avoir les command blocks, ça va s'exécuter, vous voyez, et vous voyez que je vole, vous voyez que je vole. Alors le but c'est de se mettre dans l'eau comme ceci et regardez, hop, à force d'avancer, voilà, on a un overboard et on peut voler à chaque fois, on peut appuyer et voler même dans les airs. Donc le but c'est de le faire dans l'eau tout simplement. Chaque fois qu'on se rapproche de ce command block ça va fonctionner. Mais le but c'est de le faire dans l'eau et ça fonctionne super bien. Regardez, hop, si on va dans l'eau directement, voilà, ça fonctionne. Et on a de l'air, etc. Et là on peut avoir des tout simplement l'overboard. Donc c'est stylé. Je vous mettrai les commandes en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous avez aimé ce tutoriel. Je vous ferai bientôt un tutoriel redstone. Ne vous inquiétez pas. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était HippoGamer172. Allez bye tout le monde. Ciao.